Planète Terre, à la fois mystérieuse et admirable. Mystérieuse parce qu'elle est assise là, au beau milieu de l'univers, calme et sereine, sans raison ou conséquence apparente. Admirable parce qu'elle supporte une immense ruche d'activités et permet à des milliards d'êtres vivants à évoluer en toute liberté. Chaque jour sur la Terre, une quantité inimaginable d'événements se produisent. Mon intention aujourd'hui est de vous raconter l'histoire d'un de ces événements, une rencontre fortuite qui aboutit en une amitié unique et un partage mémorable d'aventures. L'histoire débuta en 1998, lorsqu'un couple canadien, les Ducharme, allèrent faire un voyage en Australie, où ils rencontrèrent un couple australien, les Wilshots. Plus tard, ils allèrent les visiter dans leur maison à Newcastle. Durant toutes ces rencontres, ils eurent des discussions enlevantes et ils furent totalement enchantés l'un avec l'autre. Lorsqu'il fut temps de se quitter, ils se promettèrent qu'il y aurait d'autres rencontres. Quelque temps plus tard, les Wilshots vinrent au Canada pour visiter leurs nouveaux amis. Ils dépensèrent une couple de glorieuses semaines ensemble à visiter le Québec et l'Ontario. Cette fois, ils furent d'accord qu'à cause de la distance, leur prochaine rencontre devrait avoir lieu quelque part entre les deux pays. Ce ne fut pas difficile de s'entendre sur un endroit idyllique appelé la Provence. Suivant leur arrivée à Nice, ils déjeunèrent ensemble et s'embarquèrent pour leur première aventure quotidienne, utilisant le palais de la Méditerranée comme pied à terre. Thank you.
Après avoir profité pleinement des derniers quelques jours, nos quatre amis décidèrent de procéder à la prochaine étape de leur aventure. Ils se payèrent donc un somptueux repas dans la ville de Nice et, le lendemain matin, ils se mirent en route. Leur objectif ce jour-là était une belle maison ancienne qu'ils avaient louée pour 2 semaines dans le nord de la Provence. La maison s'appelle l'Arconade. Chemin faisant, ils s'arrêtèrent brièvement pour visiter la fameuse ville de Saint-Tropez. Cependant, la circulation intense ce jour-là leur permit seulement de voir la ville de l'autre côté de la baie. Ça n'a pas l'air à les déranger trop, eux autres. Juste avant d'arriver à l'Arconade, ils arrêtèrent à un petit kiosque le long de la route pour s'approvisionner. En arrivant à l'Arconade, ils comprirent alors que c'était un endroit très spécial. Ils se mirent rapidement à leur aise et, en un rien de temps, ils se sentaient comme chez eux. Durant les jours qui suivirent, nos deux couples se promenèrent dans le paysage environnant. Chaque journée, il y avait une nouvelle petite ville. Chaque journée, il y avait une nouvelle expérience. Thank you.
À la fin de chaque jour, ils revenaient chez eux, faisaient un feu dans le foyer et jouissaient d'un délicieux souper ensemble. Le lendemain matin, ils se faisaient un léger déjeuner sur le patio et se mettaient sur la route encore une fois. La ville d'Apt est celle où ils eurent le meilleur café et la meilleure expérience de marché à ciel ouvert. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ah, ces Françaises, elles sont tellement sexy. Quand on est ensemble nous deux, quelle vie on a tous les deux. On lève son verre à une autre journée magnifique. J'ai mon cœur près du tien. Le village de Viens, tout près de chez eux, célébrait le 10e anniversaire de la reconstruction de son église. Pour qui elle se prend la terre, ma parole, y a qu'elle sur terre. Y a qu'elle pour faire tant de mystères, mais pour nous y a pas de problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Leur expérience gastronomique à l'Ourmarin a été très remarquable. Tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Sur le chemin du retour, ils arrêtèrent dans le village de Bonnieu. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir. Au grand plaisir de Thérèse, qui est une amateur d'art, elle trouva une galerie de peinture. Une des peintures de cette galerie est présentement chez elle, en Australie. Un jour, en revenant du restaurant de la gare, ils aperçurent un vignoble intéressant. Évidemment, ils ont décidé d'entrer, de voir un peu de son histoire et surtout, goûter le vin. Un autre jour, les Duchamp décidèrent de faire la paresse autour de la maison et jouir de la vie campagnarde. Les Winshots, un peu plus intrépides, décidèrent de se remettre en route et visiter la fameuse ville de Avignon.
La dernière journée de leur séjour à l'Arconade, ils explorèrent un village avoisinant appelé Saigon, ou Saigon, tel que baptisé par Rudy. Ils y trouvèrent un excellent restaurant appelé l'Auberge du Presbytère. Et ce soir-là, ils y retournèrent pour un souper sans pareil. Finalement, le cœur pesant, nos aventuriers durent quitter l'Arconade. Non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé, avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour au retour, ils conduisirent lentement vers Nice et l'aéroport. Les Wilshots retournèrent chez eux via la Hollande, où ils saluèrent leur parenté. Ils atterrirent également à Bruxelles et Dubaï, en chemin pour la maison. Bientôt, eux et les Ducharme se retrouvèrent chacun dans leur pays, au sein de leur famille.
c'est si bon. Love will save friends when they swing to romance, because it's all so good. Yes, yeah, c'est si bon. I'll say to you, like the French people do, Mama, it's so good, yo, yes. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought. And it's still, oh, it's so good. Nothing else replaces just your slightest embrace. And if you only would be my own, tell the rest of my days, Mama, whisper your praise. Yes, c'est si bon.